بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme annoncé la semaine dernière, nous allons parler aujourd'hui de tous ces points dogmatiques ou liés aux dogmes musulmans que nous avons pu traiter via le précis de l'imam Abu Ja'far al-Tahawi concernant le dogme musulman dans sa globalité, dans ses grandes lignes. Nous allons revenir sur un point que nous jugeons très très important et qui est la place du non-musulman ou de ce que l'on pourrait appeler kafir, c'est-à-dire incroyant ou même athéiste, dans ce dogme musulman. Parce que quand nous étudions l'histoire des religions, ce qui s'est toujours passé, c'est que à chaque fois qu'une religion était en place, chaque fois qu'une religion est établie, bien ancrée, solidement ancrée dans une société ou dans un système de gouvernance, au plus haut point de l'État ou d'un État, celui qui est contre le dogme en vigueur est exclu, banni, à défaut d'être tué au nom de Dieu, au nom de cette idéologie ou au nom de la religion. De la dite religion. Et donc, nous avons voulu justement donner faire la lumière sur ce qu'est réellement la place du non-musulman au sein d'une société musulmane où le dogme musulman est en vigueur, où la politique licite ou bien une politique qui se fie essentiellement à l'éthique musulmane est en œuvre ou en vigueur, en exercice. Et donc, je commencerai par vous, docteur Baradouane. Quand on étudie le judaïsme, on se rend compte que le dogme juif n'est fait que pour le juif. Le non-juif n'a pas de place dans le monde, sauf si c'est un demi-homme, un sous-homme, etc. Ça, même beaucoup, quand bien même les juifs essaieraient de s'en défendre, ils ne peuvent pas renier ce qu'il y a dans leur Talmud, ils ne peuvent pas renier ce qu'ils ont fait de par l'histoire et ce qu'ils sont encore en train de faire actuellement. Si l'on se réfère au christianisme, avec tout ce qu'a connu l'histoire du christianisme comme persécution, comme guerre, avant même que ne vienne l'Inquisition, déjà les premiers unitaristes, la manière dont ils ont été liquidés, décimés carrément. Et puis, quand on connaît aussi l'histoire de l'islam, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, car même nous, musulmans, nous avons des points d'ombre dans notre histoire, il y a eu des déviations, etc. Alors, quelle est la place du non-musulman dans une société musulmane où le dogme est bien ancré, où il fait figure d'autorité? D'abord, il faut savoir que il y a un verset dans le Coran où Dieu nous dit que la notion de responsabilité a été présentée aux grandes créatures, les cieux, les montagnes, l'amana ici, c'est le message. Dans le sens de responsabilité et par leur nature, si je peux utiliser le terme, ces entités n'ont pas assumé cette responsabilité, ont préféré être guidées, musakhara, et d'obéir par conséquent aux injonctions divines et de réaliser ces ordres. Sauf l'homme, qui par ses capacités physiques et intellectuelles, a prétendu pouvoir répondre à cette responsabilité, l'a prise sur lui-même, mais Dieu dit qu'il ne... Il a été injuste envers lui-même et injuste envers les autres créatures et ignorant de ses véritables capacités. Donc, il faut savoir que l'être humain a assumé cette responsabilité. Cette responsabilité s'exerce dans un espace de liberté. Inutile de revenir sur cette liberté individuelle donnée par le Créateur à l'être humain dans un ensemble qui est coordonné et qui est géré par la volonté divine. Où commence la liberté individuelle? Les compagnons du prophète, alayhi salatu wasalam, lorsqu'ils ont été avertis qu'évidemment tout avait été décrété dans l'éternité, ils avaient posé la question « Faufim al-amal ». Donc, qu'est-ce qui nous reste comme espace de réalisation si tout a été édicté
Créateur. Il a répondu, agissez chacun et prédisposé pour la tâche à laquelle qu'il lui a été dévolu voilà. Ou quelque chose. Donc, ça c'est une première notion. Donc, les êtres humains ont une forme de liberté qui est difficile d'appréhender par l'intelligence humaine, mais qui est réelle. Ceci est conforté par un autre verset qui dit « La ikraha fid din ». Cette religion n'est pas. Les êtres humains ne sont pas forcés à la suivre. Au contraire, il doit y avoir leur acceptation de la bonne voie, de la bonne guidance, de la réalisation de la bonne religion, ou bien ils prennent la décision de ne pas la suivre. Ou bien ils prennent la décision. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de versets dans le Coran où il est dit justement que la bonne guidance vient de Allah subhanahu wa ta'ala et que la mauvaise guidance, si je peux utiliser le terme, la déviation, le fait de faire autre chose, c'est une décision qui a été prise évidemment dans la volonté divine générale, mais qui a été prise à titre individuel par un certain nombre de gens. Cette existence est reconnue même par le Créateur, puisque en dehors des êtres humains, Dieu, lorsqu'il a créé d'autres créatures, et entre autres les djinns, parmi ces djinns, il y a ce qu'on appelle Satan, Shaitan. Shaitan a montré sa rébellion, si je peux utiliser le terme, à la volonté divine et aux ordres divins, et pourtant Dieu ne l'a pas, dans l'éternité, complètement anéanti, il l'a laissé. Il a laissé vivant déjà dans ses premiers actes envers Adam et son épouse, Hawa, mais y compris il a demandé à ce que existence ou vie lui soit accordée jusqu'à l'extinction de la vie, jusqu'à au jour du jugement dernier, pour qu'il puisse faire en toute liberté ses actes de malfait vis-à-vis de la descendance de ce premier être humain qui était Adam alayhi salam. Par conséquent, en dehors de l'être humain, il y a des entités qui sont si vous voulez, soumises totalement, sans aucune volonté personnelle à la réalisation du bien, ce sont les anges dont nous avons parlé. Et puis vous avez des communautés aussi où une certaine forme de liberté leur a été donnée. Par exemple, dans le monde des djinns, il est dit dans le Coran qu'il y a, ils parlent d'eux-mêmes, وَمِنَّ الصَّالِحُونَ وَمِنَّ دُونَ ذَلِكَ. Parmi nous, des communautés qui sont dans le bien, et puis il y a parmi nous des communautés qui sont dans le mal. Quand on arrive aux êtres humains, cette notion de croyant et de mécréant ou d'incroyant ou d'athée, etc., c'est une notion qui est acceptée par le. C'est-à-dire que c'est accepté dans le sens où leur existence est reconnue. Leur existence est reconnue et ceci va être mis en pratique par le comportement des prophètes, du prophète alayhi salatu salam, Mohammed alayhi salatu salam, puisque. Et c'est lui dans l'existence et celle de ses compagnons premiers à travers son message qui était mis en danger d'existence par les Quraïchites ou par les autres tribus qui étaient alliés à Quraïch. Alors que c'était pas lui qui avait dit soit vous arrivez à ma nouvelle religion, soit je vais demander au Créateur et puis plus tard à ses troupes de vous anéantir. Et on peut donner, il est rapporté dans la tradition que vers l'an 7 de la révélation à peu près, le prophète Al-Salam est sorti sur Taïf. Parce qu'il avait été, si vous voulez, négativement traité par les Quraïchis qui n'ont pas voulu répondre. Par sa propre tribu. Par sa propre tribu, il a décidé d'aller vers la tribu qui avait été Taïf. Et malheureusement, là aussi, ils n'ont pas répondu favorablement. Sur le chemin Et même ils étaient pleins d'animosité. On a souvent parlé de cette tradition, de cet épisode. Sur le chemin du retour, il reçoit la visite d'un ange, l'ange qui, dans la tradition, a pour mission, évidemment, La gestion des montagnes. La gestion des montagnes. Parce que, voilà. Malakul Jibel, et il va lui dire, écoutez, il va lui dire, oh Mohamed, Dieu m'a envoyé, Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé, et si tu formules cette prière, cette invocation, c'est-à-dire que je vais faire abattre sur eux les deux montagnes qui sont donc sur les deux côtés de Mecca, et le prophète a non, il dit... Parce que Taïf, pour ceux qui ne le savent pas, est à peine à quelques encablures, à quelques kilomètres de la Mecque. Aujourd'hui, c'est 70 kilomètres de la Mecque. Et c'est dans une même vallée. Ouais. Donc, il y a deux chaînes de montagnes.
Donc il a refusé. La deuxième, donc il a refusé en disant que Asa Allah subhanahu wa ta'ala an yukhrija min dolarihi. Peut-être que dans leur descendance et dans Dieu leur... Dieu fera des gens qui croiront en lui. Et voilà. C'était le cas. Lors des guerres d'apostasie, Taïf ne sont pas revenus sur leur pacte avec le prophète Ikrim ibn Abi Jahl, par exemple, radiallahu anhu, qui est mort à la bataille de l'Yarmouk, par exemple. Donc c'était le fils d'Abu Jahl. C'est dit. Le deuxième exemple qu'on peut donner, justement, à la fin pratiquement de la vie de Mohammed Ali, lorsqu'il va pénétrer dans Mecca victorieux avec ses troupes, il ne va jamais demander à ses troupes d'exterminer les non-musulmans qui se trouveraient à la Mecque. Parce que là aussi, il y a une très belle parole. Il y a quelqu'un qui disait à un moment donné, en entrant, l'Yawma Yawmul Malhama. Aujourd'hui, c'est le jour de la guerre. C'était Sa'd ibn Ubadah. Et puis le prophète a dit non, Yawma Yawmul Marhama. Aujourd'hui, c'est la journée de la miséricorde. Qui d'entre eux rentrera dans la demeure d'Abu Soufyan, qui d'entre eux restera chez lui, qui d'entre eux aura la vie sauve, etc. Et eux-mêmes seront étonnés de ce comportement. Oui. Parce que. Bon, même s'ils ne s'attendaient pas à moins que ça, parce qu'ils disaient « Anta ibn al-Karim », il leur rappelait qui il était. Donc, dans sa vie, il n'y a jamais eu de... Et en plus tard aussi, même s'il y a eu des dépassements par-ci, par-là, qui sont le fait, évidemment, d'un certain nombre de souverains qui étaient plus assoiffés de pouvoir que de réaliser les décrets de... Les musulmans, lorsqu'ils sont rentrés dans les différentes contrées, qu'ils ont ouvertes au message de l'islam, ne se sont jamais présentés en exterminateurs des populations qui étaient. C'est pour ça que lorsqu'ils rentreront en Andalousie, qu'ils trouveront les habitants de cette contrée majoritairement chrétienne, il y aura parmi eux qui se convertiront à l'islam à travers les siècles de présence musulmane en Andalousie, qui comprend, je le rappelle, le Portugal, l'Espagne actuelle et même le sud-ouest de la France. Mais beaucoup d'entre eux resteront dans leur foi antérieure et la récupéreront totalement une fois que les musulmans ne seront plus présents du point de vue souveraineté en Andalousie. À la différence de ce qu'ils feront, eux, les dans les pays qu'ils ont reconquistés. Alors, la première idée véhiculée par Dr Bardouane est que, là nous sommes, vous nous ramenez carrément à ce verset qui dit « Si Dieu tenait rigueur aux gens de ce qu'ils faisaient, il ne laisserait plus un survivant sur terre. » Donc, si Dieu a laissé libre cours, a donné une certaine marge d'attitude ou une marge de manœuvre à ceux qui s'opposent à ces décrets, l'être humain devrait en faire autant. Maintenant, avant même que vous ne poursuiviez le point sur lequel vous vouliez rebondir, peut-on donner à nos téléspectateurs des preuves de l'histoire même, du vécu même de l'islam, qu'il s'agisse de l'islam tel qu'il a émergé dans son berceau, à savoir le golfe arabique, anciennement golfe persique, ou bien dans les contrées qui ont été conquises par les musulmans? Merci beaucoup. Donc, je voudrais premièrement revenir à notre référence qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà, alors qu'il était messager de Dieu, alors qu'il était à Médine, qu'il était tout puissant, même sur le plan temporel, il avait reçu un homme qui contestait sa prophétie, qui voulait être prophète avec lui. Cet homme qui s'appelait Moussa Elima l'imposteur. Et donc Moussa Elima, il venait à Médine avec certains de ses disciples. Et il a été reçu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était accompagné de son compagnon, qui était appelé l'orateur du prophète, en l'occurrence Thabit ibn Shammas, radiallahu anhu. Et Moussalima a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je veux partager la terre avec toi, et tu auras une partie et j'aurai une autre partie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait controversé avec lui. Et finalement,
Il lui a dit, tu es celui que j'ai vu il y a quelques jours dans un rêve, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait un rêve dans lequel il a vu deux anneaux Qui s'envolaient qui pratiquement. s'envolaient. Donc il a dit, tu es l'un de ces anneaux que j'ai vu dans un rêve. Comme quoi, Tu as appelé à disparaître. tu es appelé disparaître Et tu ne seras pas le seul à porter tout à fait. pareil, enfin, dawa en Parce langue qu'il y a arabe. un autre faux prophète qui s'appelle Aswad al-Ansi. L'Ansi. Alors, Voilà. il y en a eu quatre. Voilà. Il y a eu Mousseïlama Kedam, Aswad. Sadja et Sadjah, c'était une femme. c'est une femme Et prophétesse. l'autre, j'oublie son nom, mais deux se sont repentis et deux sont morts dans Tout à leur fait. Tout mécréance. à fait. Alors, il y avait aussi un autre exemple de quelqu'un. C'était un juif qui s'appelait Ibn Sayyid. Et le prophète Oui. sallallahu alayhi wa sallam avait soupçonné qu'il Qu'il était était l'antéchrist. l'Antéchrist. Donc il avait mis à l'épreuve. Et finalement, il lui a dit, c'est-à-dire que tu n'es qu'un devin, tu n'es qu'un Et imposteur. ça, alors, mais attention, justement, l'histoire d'Ibn Sayyid mérite une étude. Bien sûr. Parce que ça s'est passé alors qu'Ibn Sayyid était enfant, C'est ça, c'est tout ça. enfant. Et Omar Khattab, c'est le plus important. Khattab, lui a dit, laisse-moi lui trancher la tête. Il est en train de prétendre à la prophétie. Et le prophète Slasim lui a dit, laisse-le. S'il est celui auquel je pense, c'est-à-dire l'antéchrist, Il est appelé à se manifester, donc il tu ne vous. pourras rien contre lui. Et s'il n'est pas celui que de donc, à À quoi ça quoi? te sert de le tuer? Oui. Donc c'est dire que déjà la tolérance, Oui. l'acceptation déjà des non-musulmans avait commencé du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça avec des gens qui étaient athées, Opposé, oui, après. athées si on peut dire. Et il y a aussi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les chrétiens de Je Najran sais ça. sont venus dans sa mosquée. Nous avons cité plusieurs Oui. fois le récit qui ont été reçus par le prophète, qui a discuté avec eux, qui au moment où l'heure de la messe avait sonné, il leur a permis de faire leur messe dans sa propre mosquée, en dépit de la répugnance de certains compagnons qui voyaient d'un mauvais œil, 7000, il leur a dit, faites votre Votre messe prière et dans votre ma sang. mosquée. Et l'exemple aussi est valable avec les Oui, juifs. il a reçu des Avec les juifs, délégations, oui, donc des il a délégations. plusieurs. Et il est mort en laissant son bouclier comme gage Chez un juif. chez un commerçant juif. Là, justement, ça répond parce que beaucoup de gens, et malheureusement, beaucoup de musulmans actuellement reviennent sur cette histoire de l'islam en ne retenant que ce qui est mauvais. Parce que certains de ceux qui sont obnubilés par l'Occident, tort, vous direz, oui, ne nous parlez plus de cette tolérance. De toute manière, le prophète, on le sait, il a massacré les juifs. Il n'y a pas eu de massacre des juifs, je suis désolé. Jamais eu de génocide. Les Juifs ont fait preuve de trahison. Tout à Ils fait. ont été tout simplement Avec les combattus coalisés, avec et en temps de guerre. voilà. Mais en même temps, ceux qui n'étaient pas partie prenante dans cette trahison n'ont jamais subi Mais aucune bien sûr, injustice. mais ils Ils ont sont même restés. La vécu un. preuve, le commerçant. Oui, chez lequel le Donc prophète sallallahu ça alayhi wa prouve sallam a gagé qu'il y son. a des juifs qui sont restés toujours à Médine. Mais mieux que ça, Voilà. même par la suite, après avoir banni Bani Nadir, Beni Bani Qaynuqa, Qaynuqa voilà. et Bani Qurayda, il y a des tribus juives dans les contrées qui ont été Conquise par les conquises, bonnes. qui sont devenues des dhimmi, qui ont vécu pleinement leur culte, pleinement leur liberté. Et ça, le Mais bien sûr, problème avec nos il y a musulmans, c'est même. qu'ils ne lisent pas les grands auteurs orientalistes qui ont rapporté ces faits de l'histoire. Ce ne sont pas uniquement nos historiens qui l'ont dit. Écoutez, comment il s'appelle le grand savant juif rabbin Maïmonide. Oui. Ibn Maïmoun, oui. Ibn Maïmoun, quand il s'est enfui de l'Andalousie, il est allé vivre en Égypte. C'est Oui. connu. Et je pense même qu'il est mort en Égypte. Il y a mieux Mais. que ça. Parlons de l'Algérie. Tous ceux qui ont quitté, justement, tous ceux qui ont fui l'Andalousie, pour ceux qui n'ont pas été accueillis, parce qu'à
moment donné, beaucoup de Juifs se sont retrouvés sur des bateaux livrés à eux-mêmes en haute mer. Ce qui est vraiment quelque chose c'est une vision presque apocalyptique dans Bien la sûr. vie d'un être humain. Surtout ceux qui sont allés jusqu'à Istanbul, qui sont Oui, allés en ils Turquie ont la été plupart. accueillis par Bayezid Ier, Oui. et pour ceux qui sont venus justement ici, Dans le Maghreb. dans le Central. Maghreb, Oui. ceux qui sont restés en Algérie, justement, ça c'est un point parce que une fois j'ai lu, je lisais dans un quotidien algérien un juif nommé un tel, un jeune juif appelé à devenir rabbin, Si, qui voulait, qui voulait, j'ai on ne lu. sait même pas s'il existe ce Oui, juif, oui. Moi eu aussi, égard, moi aussi, j'ai à lu de. l'histoire même du journal qui a Oui. rapporté enfin, quand on connaît à peu près la source de l'information, on ne sait pas s'il existe ce juif. Il a dit en gros que voilà, nous sommes des habitants de ce pays, nous méritons le droit de pratiquer pleinement notre citoyenneté. Mais là aussi, nous avons justement, il faut lire les journaux de la période 1930, 1930, 32, etc., et même avant, qui ont justement mis en exergue toutes les trahisons faites par les Juifs d'Algérie, ces Juifs qui ont été reçus ici en Algérie. Le décret crée mieux. Crémieux. Les Juifs l'ont accepté alors qu'ils étaient des autochtones. C'était des Algériens. Donc, voilà, exactement. Ils avaient opté pour la nationalité française, pour le statut Français. français. Et Citoyens français. donc, ils ont trahi. Ils ont C'est une trahi. trahison. On C'est ne une peut pas trahison. voir ça Mais autrement. bien sûr. Parce que Bien sûr. si un Arabe dit israélien, alors qu'il ne l'était pas, il s'est retrouvé par la force des choses israélien, revendiquer son histoire, il deviendrait traître dans cette terre de Palestine occupée. C'est ça le problème. Donc, quand on parle de l'islam, de son histoire, rien ne peut contester le fait qu'il ait été plus que tolérant avec les non-musulmans. Moi, j'ai toujours dit, et je le répète, il n'y a pas une religion sur Terre qui a été aussi Aussi tolérante. tolérante que l'islam. La preuve, là où l'islam s'est répandu, toutes les anciennes religions sont restées. Que ce soit les hindouistes en Inde, que ce soit les bouddhistes en En Afghanistan, Asie mineure. en Asie mineure, en Asie centrale, que ce soit comment ils Les s'appellent, chrétiens de. les chrétiens, les ça Oui. c'est une c'est une Ça, ça fait. C'est, ça coule de source ça coule de source pratiquement. les mages en Iran Oui. jusqu'à maintenant ils ont même des députés à l'Assemblée iranienne donc Les les mazdéistes. mazdéens Les là où mazdéens ou tout à mazdéistes, fait enfin. là où l'islam s'est répandu eh ben il a gardé bon on connaît tous la propagation de l'islam des musulmans soit vous embrassez l'islam. Soit vous demeurez dans votre religion et vous payez Un tribut, tribut, capitation. un tribut, soit dit en passant pour que nos téléspectateurs le sachent, un tribut qui vous épargne de faire le service national Oui. et en cas de guerre, vous êtes défendu par les musulmans. C'est ça. Et attention, attention, ce même tribut que payaient des chrétiens aux musulmans, il était bien inférieur Bien sûr, à à la dîme et à la gabelle qu'ils payaient à leur propre La église. preuve, j'étais en train, hier seulement, j'étais en train de lire Mohamed Al-Ghazali, Oui. qui est un petit livre qui s'appelle Azmat al-Shuara fil al-Islami. La crise de la concertation dans le Voilà, monde c'est un musulman. livre qu'un ami va publier, donc il m'a dit de jeter un coup d'œil. Et Al-Ghazali parle justement de lorsque l'islam est entré en Égypte, il y avait des conversions en masse. Et Al-Ghazali, l'appelle Al-Hakim Al-Rabi. Il y avait à ce moment-là un je sais pas, Un un souverain, souverain, un wali, oui, un un wali, gouverneur voilà, donc qui a vu lié. que lorsque Les gens se donc convertissaient. il y a plus de tribus. Donc il a envoyé un message à Amr ibn al-As, je pense, ou au calife, il lui a dit les gens entrent en masse dans l'islam, je pense à Omar ibn Abdelaziz, si je ne m'abuse pas. Il lui a dit, mais les entrées de l'État sont en train. Et ben, le calife, la sermonie, lui a dit non, l'islam, ce n'est pas l'argent
qui nous intéresse, c'est des sauver des âmes. C'est lorsque De des gens l'enfer. entrent dans l'islam, c'est ça qui nous intéresse. Nous n'avons pas besoin de leur, donc de leur tribu ou de leur impôt ou de leur D'accord. argent. Voilà. Maintenant, nous savons que dans ce dogme, c'est vraiment. Parce que quand on étudie l'histoire des droits de l'homme, de l'histoire contemporaine, oui, alors une multitude de déclarations ont été signées par tel et tel grand État. Moi, ça me fait toujours rire quand on dit la France est le pays des droits de l'homme. Ça, honnêtement, s'il y a de quoi rire, mais à pleines dents. Les États-Unis, c'est le pays des droits de l'homme. Et pourtant, au même moment où les grandes conventions ont été signées, ces pays dominés d'autres pays par le feu et l'injustice, ces pays ont ensuite engagé des politiques de substitution. Voilà, je vous donne votre Indépendance. indépendance, mais je reste là comme une sangsue à pomper vos richesses et finalement. Ils ont commis Des exactions, des crimes, plus que etc. ça, comment dire, des populations entières ont été décimées. Des génocides, oui. C'est des génocides, On appelle ça des génocides. Docteur Bandardouane, Même si il était c'est. à la fondation Ami Abdelkader, ils ont beaucoup de documents Oui. à ce Non, sujet. l'histoire est claire. Mais je crois qu'il y a une injustice profonde vis-à-vis de l'islam qui continue à se manifester sous nos yeux sans que la communauté internationale n'en dise rien. Oui, mais bon, parce Lorsqu'on que entend tous ces massacres quotidiens qui ont lieu en en Centrafrique Centrafrique, ou qui ont lieu en Birmanie, en Birmanie, etc., et le problème en Birmanie, c'est une voilà. pseudo-prix Nobel de la paix qui justifie cela Ouais, par des propos un peu plus racistes. Oui, malheureusement. Si aujourd'hui le monde s'affole parce qu'il y a eu quelques petits accrochages dans l'est de l'Ukraine, n'oubliez pas que la population tchétchène dans son ensemble a Elle a été été. écrasée Tout à fait. pratiquement. Tout à fait. Personne n'a parlé. Donc il Et y a puis, non, mais une attendez. injustice profonde qui continue à se manifester. Certains, malheureusement, parmi les enfants de la communauté musulmane prise au sens large, clairant ce qu'on leur apprend dans certaines capitales occidentales, C'est des caisses de résonance. On voilà, les appelle, on ne peut ils pas les appeler répercutent autrement. ça à leur À niveau, tue-tête, oui. à tue-tête, mais évidemment, lorsqu'on mesure la catastrophe humanitaire qui a eu lieu en Irak depuis l'année 91 pratiquement, lorsqu'on mesure la L'Afghanistan aussi. catastrophe humanitaire de l'Afghanistan, Et d'ailleurs, l'Afghanistan, justement, quand on a beau dire, bon, qui ne mettait pas en je danger, suis. les Afghans ne mettaient pas en Oui, danger ni l'équilibre ni la survie de je l'Amérique ni suis. de Je l'Europe. suis hostile, mais opposé à ne plus en pouvoir à l'esprit des talibans, je ne peux pas le cautionner, je ne peux même pas le, comme on dit communément, le piffer, cet esprit. Mais je me souviens quand ils ont détruit les Bouddhas géants. À un moment donné, je me suis posé les oui, je me suis dit comment est-ce qu'ils ont pu faire cela alors que les premiers musulmans ne l'ont pas fait. Comment ces Bouddhas C'est ont-ils vrai, pu l'Afghanistan traverser? est musulman Oui, depuis depuis les premiers temps, depuis le premier 12 siècle. siècles, presque Oui. 12 ou 13 Non, siècles. mais comment est-ce que les premiers n'ont rien fait? Pourquoi ceux-là ont-ils fait cela? Et je me souviens, je discutais avec quelqu'un, il y a eu, parce qu'à l'époque, il y a eu un envoi de grands savants musulmans qui sont allés les voir, Al-Qardawi, Cheikh Al-Qardawi. Al-Azhar à l'époque. Et puis, quand ils sont arrivés là-bas, les talibans leur ont dit. On n'a fait cela que pour attirer les regards, l'opinion, enfin pour attirer l'opinion publique à ce qui se passait, au drame humanitaire que nous sommes en train de vivre à cause de cet envahissement de la part des coalisés. C'est quand Et même. donc. Hier seul, moi, avant-hier, j'étais en train de lire justement un article sur les musulmans centrafricains. Oui. On est en train de les évacuer de Oui. banlieue sous haute protection parce qu'ils sont massacrés Vers tous le les jours. Tous les jours. Mais oui, mais bon, c'est une aussi technique pour les Tout à évacuer fait. d'un point Donc, central. j'étais en train de lire les commentaires parce que vous savez, après un article, il y a toujours des commentaires faits par des Français. Donc, la Centrafrique est enfin débarrassée de ces barbares, ces intolérants, ces terroristes. Bon, j'ai écrit un petit commentaire et je dis, ben, c'est pas les musulmans qui ont créé l'Inquisition.
Ce n'est pas les musulmans qui ont créé le nazisme, L'apartheid, le sionisme, l'apartheid. les... Et le monsieur, il a répondu à mon commentaire, il m'a dit, l'Inquisition, ça fait 3 siècles depuis l'Église s'est réformée et vous, les musulmans, j'ai écrit un autre commentaire, je lui ai dit, et les massacres en Irak, à Srebrenica, Oui, ça fait pas trois siècles, ça fait 20 ans seulement, et le bonhomme n'a Oui, et c'était fait sur un fond religieux aussi. Bien sûr que c'était. Et donc là, justement, si j'ai parlé de cela, c'est pour essayer d'occulter un peu, enfin d'orienter un peu le débat vers un point qui, moi, me semble hyper important. Alors voilà, nous savons que le non-musulman pourrait voir ses droits les plus élémentaires garantis par un dogme. C'est-à-dire que même un chef d'État, sur le plan politique, ne pourrait annuler cette autorité, Tout ça à fait, fait figure tout à fait, tout d'autorité. à fait. Mais n'y a-t-il pas un problème encore plus grave? Actuellement, notre crise, nous musulmans, ne réside-t-elle pas dans le fait que que certains d'entre nous aient fait justement de ce dogme musulman un moyen, daria, pour s'accaparer la conscience collective des gens? Nous remarquons par exemple avec certains courants comme le wahhabisme qu'ils ont carrément voulu se substituer à Dieu sur terre. Soit tu fais ce que nous exigeons de toi, soit tu n'es plus de la nation, de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa Ah, sallam. tu es carrément excommunié là. Oui, beaucoup de gens actuellement, je discutais avec notre maître, c'est un maître parce que c'est Cheikh Saïd Maoul, Rabbi Hafdo, qui passe justement sur cette chaîne et qui nous racontait qu'une fois qu'ils étaient reçus par un ministre en Arabie Saoudite, lui-même est un haut cadre du ministère des Affaires religieuses, et il dit, le ministre ou le responsable en question a dit, nous avons pour cette année formé plus de, je ne sais pas combien de milliers de da'iyas. Da'iyas, c'est le prédicateur. Prédicateur. Bon, da'i, c'est celui qui fait appel aux autres. Donc, c'est celui qui va Qui discuter avec propage, qui des va gens, propager oui, et faire propager propager l'islam, l'islam. le message islamique, oui. Et là, justement, professeur Saïd Maoul a signalé un point très, très important. C'était la première fois, justement, que j'ouvrais les yeux sur cette idée. Il a dit, je lui ai dit, comment vous les appelez douat, alors qu'ils sont en train de prêcher pour des convertis? Ils sont en train de prêcher l'islam à leurs frères. Pourquoi vous les appelez douat? Normalement, on dit de quelqu'un, ça veut Exactement. dire un prophète qui vient discuter avec des gens qui sont contre justement Avec ce des des politistes ou polythéistes, incroyants, mécréants, voilà. appelez-les comme vous voulez. Et là, justement, n'avons-nous pas fait de la religion une sorte de nomenclatura qui réunit un certain nombre de gens et qui, ces gens-là, sont là pour dire aux musulmans de masse, voilà, nous sommes les maîtres, vous n'avez qu'à écouter et obéir. Pratiquement, nous avons créé une sorte de clergé en islam. Oui, mais malheureusement, nous avons suivi, et le prophète a signalé que nous allons suivre pas à pas ce qu'ont fait les communautés qui nous ont précédés, essentiellement donc les Juifs et les chrétiens. Oui, et là, parce qu'à chaque fois que nos frères citent ce hadith, c'est pour dire aux gens, voilà, il ne faut pas fêter le Nouvel An, il ne faut pas fêter ceci, il ne Donc faut pas faire cela. il n'y a pas eu Mais. cette humilité, cette modestie nécessaire pour dépasser le désir de suprématie sur les autres êtres et leur imposer sa vision personnelle de la chose et permettre l'ouverture. Alors que lorsqu'on voit les applications de la jurisprudence musulmane, pour ne citer que quelques exemples, les musulmans, une fois établis puissants dans leur État, auraient pu excommunier les non-musulmans dans le commerce et dans l'alimentation. Alors que, y compris dans les choses les plus intimes de la consommation, il nous est permis de consommer l'abattage aussi bien des chrétiens que des juifs. Plus que cela, les musulmans ont le droit, en sauvegardant la pratique religieuse de leur épouse, d'épouser une fille
gens du livre, qu'elles soient chrétiennes ou qu'elles soient musulmanes, même si cette religion hébraïque et cette religion chrétienne est une religion déviante dans l'esprit du Coran. Une fois la question a été posée, oui, mais on épouserait une chrétienne à la rigueur si elle était monothéiste totalement et ne prendrait ne dirait pas que Jésus est le Fils de Dieu. Mais non, le Coran n'a pas posé cette condition. N'a pas posé cette condition. N'a pas posé cette condition. Donc, si vous voulez, évidemment, certaines dynasties, certains souverains, sachant que leur trône ou leur pouvoir était reposé sur quelque chose de faible, ont voulu excommunier non seulement les non-musulmans, mais y compris les musulmans qui n'étaient pas imprégnés de leur doctrine. Les musulmans ont souvent souffert à travers leur histoire de ces guerres fratricides qui ont eu lieu. Ils ont d'ailleurs été les seuls à en souffrir, ouais. Parce que les non-musulmans n'en souffraient pas. Quand il y a eu cette guerre fratricide entre, par exemple, Muawiya et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu jami', d'ailleurs même pour qu'un musulman, qu'un musulman ait pu sauver sa peau, quand une fois face au, par exemple, au Khawarij, il disait Kafirun Mustajir, je suis un mécréant qui demande l'asile. Parce que là, ils étaient dans l'obligation de mettre en pratique un verset de sourate Tawbah qui disait « Wa in ahadun min al-mushrikin astajara fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah » Donne-lui l'asile jusqu'à ce qu'il entende le Coran. Et puis, il faut le conduire à un lieu sauf. Bien sûr. Donc, pour qu'il soit à l'abri. Les chrétiens et les juifs ont toujours justement joui de tout cela. Mais là, nous nous rendons compte justement, parce que beaucoup de musulmans, une fois, j'ai reçu via un mail une vidéo où une Libanaise, de ceux qui font caisse de résonance, comme les Libanais, parce que ici nous en avons, ou en Égypte, il y a toujours ces fameux Arabes qui sont pour l'arabité, le Qaoumiya, cette Qaoumiya qui ne nous a absolument rien apporté, et cette Qaoumiya qui ne fait que renforcer les divisions au sein de ces nations, des pays dits arabes. Et puis, elle lui dit, oui, nous aimerions bien nous regrouper, faire force commune, mais il y a par exemple les chiites qui nous en empêchent, etc. Et là, il y a un Anglais que j'apprécie beaucoup parce qu'il a toujours eu des positions très très bonnes, qui lui Attendez, il coupe net la question, il lui dit, attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Qui vous empêche de vous unir? Personne ne vous en empêche. Et là, il donne même un exemple, il leur dit, pour ceux d'entre vous qui me disent que les Américains nous empêchent de nous unir, ces mêmes Américains n'arrivent toujours pas à maîtriser le Bronx et les quartiers chauds de New York, vous voulez vous maîtrisez, vous tous, qui faites un milliard et demi, un peu plus d'un milliard et demi de musulmans, vous êtes fous. Et donc, ces caisses de résonance qui nous passent leur temps à dire cela, ces mêmes propos sont repris par pas mal de prêcheurs dans nos mosquées. Oui, s'il n'y avait pas ceci, s'il n'y avait pas ces forces du mal, nous serions une seule nation. Mais le problème, on le remarque, eux-mêmes sont la cause d'une partie des tourments que connaissent beaucoup de gens. En raison des méfaits qu'ils commettent, en raison des avis religieux qui n'ont rien à voir avec la miséricorde de l'islam. Mais c'est ça, justement, le Razi Rahimallah, auquel je faisais référence tout à l'heure, dans son livre, La crise de la concertation de la Shoura. Justement, il parlait, il disait à notre époque, lorsqu'il était jeune, il disait, nous étudions à Al-Azhar, il y avait les malikites, il y avait les chafiites, il y avait les hanifites, il y avait quelque peu des hanbalites. Il avait dit, on exposait nos divergences et on discutait. Mais à la fin, on était tous frères. Voilà, on était réunis par la fraternité musulmane, il n'y avait aucun problème. Mais malheureusement, il y a eu, comme vous l'avez dit, cette tendance de certaines, je ne dirais pas des écoles, parce que ce n'est pas des écoles, pas qui des... reportent sur des... C'est des sectes. Voilà. C'est sectaire. Qui ont voulu, et nous avons l'exemple concret de l'Afghanistan. L'Afghanistan était un pays uni,
sur le plan et sur le plan de la doctrine, qui était hanéfite, un pays hanéfite, qui avait une tradition spirituelle très, très, très. Il y avait la Naqshbandiya, certaines. Naqshbandiya, oui. Et lorsque les Russes ont envahi l'Afghanistan, tous les Afghans étaient unis contre les Russes. Et puis, Vers petit la à vers. petit, petit à petit, on voyait qu'il y avait plusieurs tendances, chacune. Et puis, il y a la guerre civile entre eux. Et maintenant, jusqu'à maintenant, l'Afghanistan n'arrive pas à sortir de sa crise parce qu'une certaine, comme vous l'avez dit, cette secte a semé les germes de la division, comme elle est en train de le faire Dans tout, dans beaucoup beaucoup de de pays pays, musulmans, ça a été fait en et Algérie. dans le Sahel, chez nous, et dans beaucoup de pays musulmans qui malheureusement, jusqu'à présent, sont en train d'endurer les conséquences de cette politique. Je ne sais Oui. pas qui est en train d'appliquer cette politique, On mais dit en tous les cas. donc pour consolider la théorie du complot à laquelle je suis partie prenante. Hein. Moi, je suis sûr qu'il y a une théorie du complot, etc. Mais certains se permettent de le dire avec une légèreté déconcertante. Oui, c'est un complot. C'est un complot. Mais ces gens-là ne disent qu'il s'agit là d'un complot que pour jeter l'anathème sur leurs propres frères. Le problème est là. Ce qui veut dire que si Dr. Jidl, comme il me l'a dit une fois, normalement, nous devrions faire du dogme musulman un projet de société Tout à fait, universelle, tout à fait. si ce projet n'arrive pas justement à dévoiler son universalité, en fait, c'est à cause des musulmans, c'est pas à cause des non-musulmans. Oui, les causes de cet affaiblissement sont effectivement multiples et nous sommes partie prenante dans cet affaibli. Une communauté qui devient faible devient une communauté qui rejette l'autre Se replie sur et elle-même. se replie sur De toute elle-même. manière, attendez, de Parce qu'elle toute n'a pas la manière, capacité oui, d'absorber le. d'absorber. Ouais. Justement, mais là, C'est ça. ça on le remarque même Ouais. chez les nations fortes. Oui. Remarquez. Vous prenez l'exemple, par exemple, d'un pays comme la France, l'Italie ou l'Espagne. Quand l'économie va bien, il n'y a pas de problème. Dès que les politiques C'est accusent ça. un échec sur le plan politique, on revient vers les vieilles recettes, Ouais. parce que C'est c'est la les faute à meilleures. l'immigré, c'est C'est la la faute faute à à. l'immigré. C'est Oui, ça. on va jouer sur l'aspect sécuritaire, etc. Parce que ça justifie un laxisme, ça justifie l'inaction favorable, ça justifie aussi Oui. la haine. On va. Pendant que les siècles où les musulmans représentaient sur Terre effectivement leur dogme, etc., ils avaient une notion profonde de la justesse de leur religion, du bonheur qu'elle pouvait apporter à toutes les communautés mondiales, etc. Donc ils ont franchi des terres, ils ont franchi des déserts, ils ont franchi des montagnes, ils ont rapporté ce message de l'islam. On dit que les musulmans arabes qui sont arrivés au Maghreb n'étaient pas au-delà de 3 000. Oui. À travers les différentes périodes dans lesquelles ils sont arrivés par rapport à une population qui était nettement, nettement, nettement supérieure. Quel est le nombre de ces musulmans qui sont arrivés à travers le détroit de Gibraltar, dans le sud de l'Espagne, pour pouvoir ramener ce message à travers des populations dont ils ne parlaient pas la langue, On qui parle de étaient 8 000, on parle dominées, de 8 000 qui sont oui, partis avec qui étaient l'Arabe dominées, voilà, dominées par des 8 000. puissances. Il a instauré C'est tout. une civilisation Voilà. qui a duré 7 siècles. Tout à fait. Mais le rayonnement était tellement important que les gens ont très vite compris que c'est une religion, une civilisation C'était pas une source de de justice problèmes ou et dans de. laquelle ils trouvaient véritablement leur place pleine et entière, qu'ils soient convertis à l'islam ou qu'ils soient restés dans leur religion. Plus tard, effectivement, dans un certain nombre d'endroits, cet affaiblissement généralisé s'est manifesté de manière importante et les gens sont devenus très. Très dur vis-à-vis d'eux-mêmes comme vis-à-vis des autres communautés, et en pensant que le rejet de l'autre allait purifier leur rang et leur permettre de devenir très puissants. Alors qu'en réalité, ils allaient vers un anéantissement programmé et vers la coupure totale.
S'il y a complot international, évidemment, est-ce qu'il est le fait d'un petit groupe d'individus qu'on imagine un certain nombre de gens, ou bien c'était un complot de toute façon qui est naturel, parce que toute puissance internationale voudrait élargir sa puissance C'est de bonne guerre. et c'est de bonne guerre et la Ouais. perpétuer, etc. Ils ont introduit ces notions de conflit à travers un certain nombre de pays où ils n'ont pas vu l'intérêt premier de l'islam et des musulmans. Ils ont vu leur intérêt propre. Un de nos anciens ambassadeurs dans un pays du Sahel me rapportait évidemment que les mosquées traditionnelles à Niamey, par exemple, étaient des mosquées fabriquées en terre cuite ou en terre très très simple en fonction des possibilités économiques de ces gens. Voilà que sont arrivés des millions de dollars, qu'on a élevé des mosquées flambant neuves, avec du marbre et avec du fer forgé, avec des vitraux, avec de l'aluminium, mais plein de bagarres à l'intérieur C'est parce que ça. Il n'y avait plus cette sérénité voilà, face au. parce que les gens qui ont fourni cet argent ont voulu imposer un mode de Ils pratique l'ont fait à religieuse, dessein. voilà, auquel les gens n'avaient pas été élevés pendant des siècles, et il y a eu une opposition, et d'où ça a créé des conflits qui ont abouti à quoi? À la mainmise d'un certain nombre de puissances non musulmanes sur ces régions, mais dont nous avons été, pour répondre à vos questions, nous-mêmes à la base, la cause. Parce que si dans une maisonnée, les gens me disent pourquoi est-ce que la police et la protection civile finit par rentrer, mais souvent parce qu'il y a des conflits entre frères et sœurs Oui. et qu'ils mettent le feu à la maison, la police est obligée d'y venir Bien sûr, et oui. d'appeler aussi Les les pompiers pompiers aussi. pour éteindre l'incendie. Oui. Mais s'ils avaient été assez intelligents pour sauvegarder un minimum de confraternité, de fraternité, de vivre ensemble, etc., et N'y d'estimer aurait qu'il pas eu n'y d'intervention. aurait pas eu un islam qui permet d'avoir dans sa maison, dans son propre foyer, dans son propre lit, une épouse qui n'est pas musulmane, comment ne permettrait-il pas, dans la diversité des interprétations qui sont données textes fondamentaux de l'islam, à ce que les gens vivent ensemble. Ils vivent en bonne harmonie. Au contraire, cette manière de discuter, d'avoir des points de vue différents, va fructifier l'intelligence humaine et va faire avancer la communauté musulmane. Parce que souvent, lorsque vous avez une uniformité, ça devient lassant Oui. et il y a une stagnation. Alors que lorsque vous avez, et c'est pour ça que les sociologues disent souvent, en prenant en référence des grands noms, lorsque vous entendez parler d'un Ibn Khaldoun, n'imaginez pas qu'un Ibn Khaldoun est venu à un moment de grande puissance des dynasties Ah, c'est la musulmanes. C'était décadence. les siècles de Oui, décadence. la Mais décadence. même ces siècles de décadence ont fait fructifier des intelligences parce qu'il y avait des antagonismes. Alors qu'auparavant, il y avait une seule voix qui se faisait entendre et les autres devaient se taire ou disparaître. Oui. Et ça n'a pas permis à l'intelligence humaine d'approfondir les choses et de trouver. De produire justement Est-ce des. que Ibn Taymiyyah n'avait pas dit, justement, lorsqu'il avait été en prison, que sa prison était une cellule Sijni qui, Khulu, loi, c'est-à-dire une une retraite. retraite spirituelle, et en même temps que ma bibliothèque d'abord est dans ma patrie, ma cellule est une khalwa, mais même ces pressions que je pouvais avoir vont me forcer à trouver une réponse même aux choses les plus difficiles. Pour revenir à une époque antérieure, c'est dans une expédition, on dit entre autres, hein, c'est dans une expédition où l'eau est arrivée à manquer pour faire ses ablutions que les gens pratiquement, et la révélation les a accompagnés, ont imaginé le tayammum parce qu'il n'y avait que du sable autour d'eux. Par conséquent, ces moments difficiles, ces tensions extrêmes au sein de la société qui sont naturelles finissent par déboucher sur une approche. Il disait une Voilà. c'est la C'est un crise truc qui fait la grandeur ou c'est de ça, l'individu, de la c'est société, ça, etc. c'est ça. Lorsqu'on est dans l'aisance, on le voit. Lorsqu'on est dans une aisance financière, nous avons un matelas de plusieurs milliards de dollars. On a tendance à On a tendance à ne pas imaginer trop quelles sont les faire solutions d'efforts, pas économiques, faire d'efforts. etc., à une possible pénurie de tout ça. Mais lorsque les gens vivent dans les difficultés, ils vont trouver de quoi manger, même avec Ils vont devenir ingénieux, et oui. devenir ingénieux, de trouver un repas, même avec des petites bouts de chandelle. Oui, absolument. Alors, il nous reste à peine 3 minutes. À nos frères musulmans qui vivent justement en Occident,
qui, dans pas mal de cas, souffrent beaucoup, ça c'est indéniable, mais qui ne font rien sur le plan collectif pour répondre favorablement ou de la meilleure façon qui soit, billati hiya ahsan, billati hiya afdal, à toutes ces attaques, qu'elles soient morales ou. Il nous reste une minute. Moi, je pense que chaque musulman est ambassadeur de sa foi avant d'être celui de sa patrie, de son pays. Oui. Donc, à sa charge de savoir présenter l'islam aux autres. Quitte à prendre sur soi-même. Tout à fait, bien sûr. Il a pour exemple le prophète Slaslem et ce qu'il a enduré durant tout son apostolat pour justement présenter l'islam aux autres. Et finalement, Dieu merci, l'islam est là, après 14 siècles, Il est toujours là. il est toujours là. Voilà. Très bien. Ces propos, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Et d'ici la semaine prochaine, je vous dis astaoudiakumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, messieurs.